j'ai trouvé un carton, mais un truc, il est immense, quoi. Donc là, j'ai bien de quoi faire 3 sièges avec. Donc je vais faire déjà le premier modèle. Et ensuite, je vais continuer, je vais embrayer sur les autres. Alors là, pour découper un carton très costaud, je vais déjà commencer par séparer pour ne pas avoir l'autre bout du carton là-bas. Alors là, c'est encore plus vrai quand le carton est assez costaud. C'est vraiment, je coupe vraiment tout ce qui est proche de moi. Je plante et je tire. La plus confortable possible. Et tirer vers soi. Voilà mon premier patron. Je vais faire une croix dessus, comme ça je saurai que c'est ce patron là que je vais reporter sur les autres cartons. Il en faudra encore 3 comme ça. Donc je vais en utiliser 2. Je vais regarder selon la qualité du carton. Si j'ai 2 patrons, je vais faire attention à voir les plus beaux morceau de carton à l'extérieur sur les côtés visibles. Et je ferai attention aussi, par exemple là j'ai un coin avec les rainures, donc je vais les mettre à l'intérieur et le beau côté du carton je vais le laisser dehors.
Alors là, j'ai un carton plein d'étiquettes. Donc on va faire l'affaire pour l'intérieur. Parfois il y a des petits défauts, c'est pas grave non plus. Hein. Allez j'en aurais fait comme ça. Je continue mon découpage. Franchement, si vous êtes à l'aise avec une scie sauteuse, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est vraiment pour un siège, de toute façon, vous ferez vraiment du carton très épais, très solide. Et ce que j'ai, hein, les costauds quand même. Et ouais, c'est important de pouvoir utiliser un carton vraiment, vraiment béton pour que le siège y survive, quoi. Ou alors si vraiment vous n'avez pas de carton vraiment très épais, vous pouvez en prendre du plus souple. Par exemple du fin comme celui-là, double canure. Mais dans ce cas-là, il faudra utiliser 3 ou 4 épaisseurs à chaque fois. Peut-être ça peut servir à quelque chose.
j'ai encore un petit peu de découpage. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà coupé. J'ai un petit fauteuil comme ça. Ça, c'est un petit tabouret. Là, c'est un autre tabouret. Et il y aura encore un fauteuil comme ça.